de toutes les directions qu'il y a au niveau du siège à Paris, il y a des représentations permanentes aux Nations Unies à New York, aux Nations Unies à Genève, à l'Union européenne à Bruxelles, à l'Union africaine à Addis Abeba. Il y a aussi des bureaux régionaux, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, que ce soit en Amérique ou dans les Amériques, que ce soit en Europe de l'Est. Donc, il y a partout des directions régionales, mais partout, quand j'ai fait les tours, parce que c'est une organisation que je connais quand même bien, j'ai publié une cinquantaine d'articles là-dessus, je vous assure qu'il n'y a pas un seul Congolais qui a un poste de directeur. Le représentant de la RDC au niveau des Nations Unies et celui de la Suisse. Mais il n'y a pas de remplacement. Le peuple a choisi le président Tshisekedi. Et le peuple attend, après 5 ans, qu'il livre la marchandise, comme on dit ici chez nous, qu'il livre la marchandise. Et donc, il a promis beaucoup de choses. Déjà, vous savez, l'IDPS a combattu pendant 38 ans. Et dans tous ces combats, on a parlé des changements. Que lorsque nous allons prendre le pouvoir, les choses vont changer. Les gens veulent voir ces changements-là. Les gens veulent voir de nouvelles personnes. Les gens veulent voir de nouvelles idées. Les gens vont évaluer cela sur base de qu'est-ce que le gouvernement a produit comme résultat. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de vous être branchés très nombreux pour nous suivre sur la voie de la démocratie congolaise au Parlement d'Afrique, qui vous vient depuis New York City avec votre confrère de tous les temps, votre serviteur Don Kayembe. Aujourd'hui, nous avons une émission un peu plus spéciale où nous allons parler de la politique étrangère vis-à-vis de la RDC avec un expert du nom de M. Isidore Kwanja Ngambo. Monsieur Isidore, je voulais dire que vous êtes un analyste politique public et un ancien conseiller de la direction de l'Afrique centrale et occidentale au ministère des Affaires étrangères au Canada. Vous êtes un chercheur indépendant et un auteur du livre intitulé « Régime international de droit de l'homme à l'épreuve du climat, cas de l'État insulaire de Maldives ». Je voudrais dire aussi que vous êtes un grand écrivain. Vous avez publié plusieurs articles, notamment sur la politique internationale, sur la francophonie et sur la situation politique en République démocratique du Congo. Je voudrais signaler ici, en parcourant votre CV, je trouvais que vous avez fait beaucoup d'études et aux États et au Canada et en Europe, en Belgique et en France. Félicitations. Et aussi, merci. J'ai constaté aussi que vous avez beaucoup travaillé dans le système international en appuyant surtout la francophonie et bien d'autres vis-à-vis de la formation que vous avez eue avec beaucoup de diplômes et de certificats de formation. Alors, avant que je ne puisse entrer dans le vif du sujet, M. Isidore, comme nous parlons de la politique étrangère, je voudrais d'abord que vous ajoutiez quelque chose sur vous-même, si je n'ai pas pu parler de vous-même sur un point que vous voulez que les autres le sachent. Non, vous avez bien présenté. J'ai travaillé beaucoup plus au sein de l'administration publique canadienne. Donc, j'ai eu à assumer des responsabilités, et notamment sur les questions des changements climatiques. C'est un élément important parce que je travaille au ministère de l'Environnement et j'étais chargé des dossiers du bassin du Congo, de la forêt du bassin du Congo, qui est un poumon mondial dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. C'est vraiment lorsque je travaille au ministère de l'Environnement que je me suis beaucoup plus intéressé de toutes les questions qui touchent à l'Afrique centrale particulièrement, parce que le projet sur lequel je travaillais concernait essentiellement les pays de l'Afrique centrale, donc qui couvrent la forêt du bassin du Congo, qui est la deuxième forêt après l'Amazonie, qui contribue énormément dans la lutte contre le changement climatique, mais qui est le pays, qui est le plus grand pays de la sous-région, la République démocratique du Congo, ne bénéficie pas du retombé des contributions que les États apportent dans la lutte contre le changement climatique. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse au plus haut point. J'ai publié plusieurs articles dans ce domaine-là et j'ai même publié un livre
que vous avez présenté tantôt. Donc, c'est vraiment l'élément important. Et donc, c'est justement à partir de ces dossiers-là que je me suis retrouvé comme conseiller au ministère des Affaires étrangères. C'était dans la continuité parce que je m'occupais toujours des questions qui touchaient l'Afrique centrale. Donc, c'est vraiment l'élément important que je peux ajouter dans ce que vous avez. Alors là, vous avez oublié d'ajouter que vous avez aussi évolué pendant longtemps aux côtés de Michael Jean, qui était... C'était l'ancienne gouverneure générale du Canada, mais moi, je l'ai beaucoup aidé au niveau de la communication quand il était secrétaire général de la francophonie. La francophonie, voilà, c'est ce que je voulais que vous ajoutiez. Alors maintenant, aujourd'hui, Monsieur Isidore Okwandja, nous allons parler de la politique étrangère vis-à-vis de la RDC. Nous avons tous salué, à bras le corps, ou acclamé le changement de régime en République démocratique du Congo, que nous avions appelé tous passation pacifique du pouvoir entre un président vivant sortant et un président élu entrant. Donc, une première en République démocratique du Congo depuis que le Congo est Congo. Alors, nous sommes tous aussi témoins d'avoir vu que le nouveau président, c'est-à-dire Félix Antoine Tshisekedi, il a pris le bâton de Perelin, il a circulé le monde entier pour activer la politique qu'on appelle la diplomatie agissante de la République démocratique du Congo vis-à-vis d'autres pays étrangers. Mais nous savons que cela ne suffit pas. Car le pays semble marquer le pas sur place en ce qui concerne la diplomatie internationale. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu, M. Isidore, de la diplomatie internationale? Oui, merci beaucoup. Et d'ailleurs, je vais commencer par dire que n'eût été la pandémie de coronavirus, le président Félix Tshisekedi avait entamé un processus important qui était celui de réchauffer la diplomatie congolaise. Vous savez que pendant une vingtaine d'années, la République démocratique du Congo était pratiquement sur, donc ça veut dire était comme écartée complètement sur la scène politique internationale. Quand on parlait de la République démocratique du Congo, on ne parlait que de la guerre, on ne parlait que des viols des femmes, on ne parlait que de tout ce qui allait mal. Mais avec l'arrivée du président Félix Tshisekedi, on a senti un regain de réchauffement des relations diplomatiques avec plusieurs États qui étaient très hostiles vis-à-vis de l'ancien régime et donc très hostiles également du pays. Ces bailleurs de fonds, ces grandes nations du monde ont ouvert largement les portes au nouveau président. Il a circulé le monde entier, c'est comme je dis, n'eût été le coronavirus, il allait continuer sur cette même lancée qui était celle de réchauffer les relations diplomatiques avec d'autres États. Mais seulement, ça vient souvent avec les changements des politiques étrangères. Donc, il faudrait définir la politique étrangère qui, apparemment, au regard des sorties du nouveau président, au regard de ces voyages qu'il a fait à travers le monde, on sent que ce n'est pas la même politique étrangère qui est mise en place. C'est une autre politique étrangère qui se met en place. Mais lorsque une nouvelle politique se met en place, elle doit être suivie avec la nomination des ambassadeurs, par exemple. Nous allons y arriver, Monsieur Isidore. Parlons un peu des types de diplomatie que les gens sachent exactement d'abord ce qu'il y a. Puisque quand on parle de diplomatie, on voit les acteurs politiques et les acteurs de carrière. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? En fait, ce qu'il y a, c'est que dans la diplomatie, il y a deux types de diplomates. Il y a des diplomates de carrière qui ont gravi les échelons jusqu'à devenir ambassadeurs et qui sont nommés à travers le monde dans des missions. Mais il y a aussi des nominations qui sont politiques. Je donne l'exemple ici au Canada, par exemple. Si il y a un changement de gouvernement, qu'un autre premier ministre arrive, les postes comme celui d'ambassadeur aux États-Unis, l'ambassadeur qui est en place n'attend même pas qu'on le démette, mais il dépose sa démission, il se tient disposé à céder son poste à un autre ambassadeur qui arrive parce que c'est une mission importante pour le Canada. Et donc, le premier ministre qui arrive, il place son homme de confiance. Et donc, il en est de même aussi pour la République démocratique du Congo. Nous avons des missions qui sont
essentiel. Comme par exemple, le président, quand il a fait son premier voyage à l'Occident, il est allé aux États-Unis. Et dans son discours, il a dit qu'il voudrait avoir un partenariat stratégique avec les États-Unis. Donc, pour la République démocratique du Congo, les États-Unis, c'est un pays important. Et donc, l'ambassadeur qui doit représenter le président de la République dans ce pays-là doit être quelqu'un de confiance, quelqu'un qui peut prendre le téléphone à 1h du matin, appeler le président pour lui dire « voici l'information que j'ai eue de telle ou telle situation ». Les pays comme la Belgique, qui est notre ancienne métropole, c'est un pays important pour la République démocratique du Congo. Donc, le président, en même temps qu'il a fait, il a démontré l'ouverture à travers le monde, en sillonnant le monde entier, il devrait le plus rapidement possible également de définir la politique étrangère, de définir les objectifs de cette politique, de placer des gens de confiance, comme il a dit dernièrement quand il était aux États-Unis, il a promis qu'il va ouvrir une ambassade en Israël, par exemple. Et donc, tout ça là, c'est pour dire qu'il y a des missions que le président doit absolument placer ces gens de confiance, ces gens qui lui sont fidèles et loyaux, ces gens qui sont prêts à communiquer régulièrement avec lui, parce que n'oublie pas qu'il y a certains ambassadeurs qui n'ont pas la possibilité de parler au président, même s'ils représentent le président, même s'ils représentent la République démocratique du Congo dans un pays ou un autre, mais ils n'ont pas cette facilité-là, ils n'ont pas cette... Alors, enfin, ce que vous dites là, c'est exactement correct. C'est ce qui cloche, puisque ça fait plus d'une année que nous avons le président en place, et la diplomatie marque le pas sur place, comme je le dis. Vous rappelez qu'on a suspendu le représentant de la RDC au niveau des Nations Unies et celui de la Suisse. Mais il n'y a pas de remplacement. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je ne suis pas dans le précaré du président pour vous dire qu'est-ce qui cloche. Mais ce que nous observons, c'est que ça prend beaucoup de temps. Par exemple, le poste comme celui des représentants aux Nations Unies à New York, tout comme à Genève, parce que Genève, il y a aussi beaucoup des agences des Nations Unies qui sont là-bas, ce sont des postes importants. Lorsqu'on a suspendu ces gens-là, on attendait que dans les jours qui suivaient, le président allait immédiatement nommer des nouveaux ambassadeurs qui représentent les pays, donc qui sont ses porte-parole auprès de ces missions qui sont importantes, là où les grandes décisions du monde se prennent. Et on observe seulement que ça prend beaucoup de temps. Oui, le président a beaucoup de problèmes à régler, mais en même temps, nous savons que c'est un mandat de 5 ans, et là, nous tendons vers la fin de la deuxième année. Et il faudrait absolument qu'on puisse mettre en place le plus rapidement possible, faire des mises en place au niveau de la diplomatie, placer les gens qui sont des représentants du pays, qui représentent le président de la République, qui travaillent à son service. Parce que vous savez, partout à travers le monde, les nominations, par exemple, au niveau de la diplomatie, on nomme dépendamment des objectifs qu'on veut assigner telle ou telle ambassadeur dans tel ou tel pays. Il y a des pays où peut-être on a besoin de renforcer les relations économiques, il y a un pays où on a besoin de renforcer les relations militaires ou stratégiques. Donc, ça va dépendre maintenant de quel type de personne qui peut valablement représenter les pays selon que l'objectif pour tel ou tel pays est celui-ci ou celui-là. Donc, tout cela, ça fait que lorsqu'on change de politique étrangère, normalement, on doit aussi changer les animateurs de cette politique étrangère. Le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, ils vont sillonner à travers le monde. Ils vont rencontrer les chefs d'État. Mais ce sont les ambassadeurs qui font le travail au jour le jour. Je vais vous dire, par exemple, il y a certains ambassadeurs, c'est seulement en Afrique où un ambassadeur d'un pays occidental peut aller voir les chefs de l'État à tout moment quand ils veulent. Mais ici, par exemple... Et le dur, c'est qu'ils veulent. Il y a des ambassadeurs qui n'ont jamais eu la possibilité de rencontrer les chefs d'État. Mais lorsque le président fait un déplacement, c'est une occasion en or parce qu'il se fait accompagner de son ambassadeur et l'ambassadeur a la possibilité de rencontrer le chef d'État, a la possibilité de rencontrer d'autres autorités et après, c'est-à-dire que le président a comme ouvert les portes à ce que l'ambassadeur maintenant puisse approfondir la relation avec ce pays-là.
Lorsque le président n'a pas encore mis en place ses nouveaux ambassadeurs, ben, il va sillonner à travers le monde, mais le suivi peut-être ne va pas venir parce que les gens qui sont là, peut-être ne lui sont pas certainement loyaux. Bon, en fait, je ne peux pas faire des accusations gratuites. Il y a des gens qui travaillent sérieusement. Mais il est vrai aussi qu'il faudrait que le président puisse aligner des gens dans des missions qui sont stratégiques pour le pays, stratégiques pour son pouvoir également. Deux observations à ce niveau-là. Je me rappelle, c'était en 2005, quand le feu président Étienne Tshisekedi était ici à New York, et on parlait avec lui pour rencontrer certaines personnalités. Et quand on a dit qu'il fallait rencontrer certains ambassadeurs, il a dit « Niette, ces gens sont des fonctionnaires de l'État et vous, vous êtes nos ambassadeurs, vous devez aller négocier avec eux, pas moi aller vers eux. » Mais c'est ce que nous constatons en Afrique et surtout au Congo. Les ambassadeurs de certains pays, ils se comportent vraiment en maître absolu où ils peuvent aller dire au président ce qu'ils veulent et ce qu'ils pensent. Je pense que cette façon d'agir doit arrêter. Alors, nous revenons, M. Isidore, sur les nominations qui clochent. Vous avez dit, vous n'êtes pas dans le secret de Dieu pour savoir pourquoi. Et que dire ceux-là qui disent que c'est justement à cause de ce que nous connaissons comme coalition avec le FCC, qui fait que le président sortant a un peu de manœuvre, qui fait que le président marche. Qu'en dites-vous? Non, en fait, moi, dans ma façon de voir les choses, et d'ailleurs, j'ai publié plusieurs articles là-dessus, lorsqu'il s'agissait de la nomination des PDG, par exemple, dans les entreprises publiques. Qui traînent encore. J'ai écrit un article pour dire, attention, il ne faut pas politiser les entreprises publiques. Lorsqu'il s'agissait de la nomination au niveau de l'administration publique, j'ai publié plusieurs articles en interpellant aussi bien le Premier ministre que le chef de l'État pour leur dire, attention, il ne faut pas politiser l'administration publique. Au niveau de la diplomatie, c'est la même chose. Ce sont les fonctionnaires de l'État. C'est comme je l'ai dit tantôt, il y a des ambassadeurs qui ont gravi tous les échelons au sein de l'administration publique. Ce sont des fonctionnaires de l'État. Les nominations à ce niveau-là, ça n'a rien à voir avec la coalition. La coalition, c'est au niveau du gouvernement. Et la coalition, quand on le fait au niveau du gouvernement, et j'ai même publié des articles en disant, moi j'étais d'ailleurs très hostile à cette coalition, j'ai publié un article, j'ai dit, à mon avis, le président pouvait accepter une cohabitation. Parce qu'accepter une coalition, c'était endosser tous les passifs de l'ancien régime. Tandis que dans une cohabitation, ben, ils forment leur gouvernement, mais le président donne de grandes orientations. Lorsque ces orientations ne sont pas respectées, le président se retourne auprès de la population pour dire, voici, j'ai demandé au gouvernement de faire ceci ou cela, il ne l'a pas fait. Donnez-moi tous les pouvoirs, tous les rênes du pouvoir pour que je puisse décider selon ce que vous me demandez de faire. Et c'est là, notamment en acceptant de dissoudre le Parlement pour refaire des élections et élire des vrais députés qui représentent la nation. Donc, pour revenir aux nominations au niveau de la diplomatie, ça n'a rien à voir avec la coalition. Ça n'a vraiment rien à voir avec la coalition. Et que moi, si j'avais un conseil à donner au président, je devrais lui dire, les nominations, que ce soit au niveau de l'administration publique, que ce soit au niveau des entreprises publiques, que ce soit au niveau de la diplomatie, vous devez choisir des gens qui sont compétents, peu importe leur couleur politique, peu importe leur allégeance politique et consort, mais vous ne les choisissez pas en fonction de leur allégeance politique, vous les choisissez en fonction de leur expertise, en fonction de leur compétence. Si ça fait qu'il est de telle allégeance, mais il a des compétences. Je peux prendre l'exemple de Matungulu. Quand ils sont allés à Genève, ils n'étaient pas du tout d'accord avec le président de la République. Mais lorsqu'il s'agissait de nommer un représentant au niveau de l'Afrique centrale pour représenter l'Afrique centrale au niveau de la Banque africaine de développement, le président a fait le choix de Matungulu parce que c'est un ancien du Fonds monétaire international. Il n'a pas regardé sa couleur politique. Donc, c'est vous dire que les nominations à ces niveaux-là, que ce soit au niveau des entreprises, que ce soit au niveau de la diplomatie, que ce soit au niveau de l'administration publique, le président ne peut pas tomber dans les jets de ses alliés, des FCC, qui lui disent non, voilà, dans le cadre de la coalition,
nous devons nous partager les nominations. Si on fait cela, je vous assure que le pays ne va pas décoller. Et ça, c'est vraiment important. Les présidents devraient nommer des gens selon leurs compétences, selon leur expertise et pas selon leur couleur politique. Mais alors, si vous dites ça, M. Isidore Kwanza, si je vous ai bien suivi, c'est pour dire que s'il y a encore des retards dans des nominations à tous les niveaux, en quelque sorte, le président doit endosser la responsabilité. Mais je ne veux pas dire qu'il va endosser la responsabilité, mais en tant que c'est sa responsabilité. C'est lui qui, parce que c'est son mandat. Alors, il a un mandat de 5 ans. Et il y a des gens qui essaient de le distraire avec des dossiers qui normalement ne devraient même pas tenir les coups, par exemple, comme celui dont on parle actuellement, des nominations dans les entreprises publiques, dans l'administration publique, dans la diplomatie. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne les distraire alors qu'il devrait immédiatement nommer les gens de confiance, les gens qui ont l'expertise, les gens qui vont aider à relever l'économie, parce qu'il a Il a promis beaucoup de choses à la population. La population a senti en lui un changement. Mais il faut que ce changement se reflète à tous les niveaux. Et c'est ça, on a l'impression que ça n'arrive pas encore. Alors que bientôt, nous allons arriver à mi-mandat, alors que normalement, à ce moment-ci, on aurait déjà dû mettre en place tous ces responsables, que ce soit au niveau de la diplomatie, que ce soit au niveau de l'administration publique, que ce soit, vous avez suivi, je ne sais pas si vous avez suivi dernièrement, il y a eu un problème au niveau des nominations des secrétaires généraux. Et ça, c'est un problème très sérieux. Et c'est inconcevable qu'un ministre puisse faire des mises en place des secrétaires généraux sans que la présidence soit informée. Ça, c'est vraiment quelque chose. Le président a promis le Bic Rouge. Je pense que le Bic Rouge devrait commencer à fonctionner quand même. Oui, il y a toujours beaucoup de malentendus dans cette histoire qu'on parle de coalition. J'ai suivi un extrait de l'intervention de Moïse Katumbi hier. Il dit, dans un conseil qu'il a donné au président, il dit, au bout de 5 ans, les résultats ou carrément les retombées qu'on aura sur le fonctionnement du gouvernement, ça ne sera pas mis sur le dos de la coalition, mais sur le dos du président. S'il échouait, c'est le président qui a échoué. S'il a réussi, c'est lui qui a réussi, ce n'est pas la coalition. Qu'est-ce que vous dites au président? Puisqu'il faudrait quand même qu'il sache que, d'abord, c'est lui qui a le bilan à présenter au peuple congolais dans 3 ans et demi. Justement, je pense que c'est un conseil sage, parce que, qu'on le veuille ou non, le peuple a choisi le président Tshisekedi. Et le peuple attend, après 5 ans, qu'il livre la marchandise, comme on dit ici chez nous, qu'il livre la marchandise. Et donc, il a promis beaucoup de choses. Déjà, vous savez, l'IDPS a combattu pendant 38 ans. Et dans tous ces combats, on a parlé des changements. Et lorsque nous allons prendre le pouvoir, les choses vont changer. Les gens veulent voir ces changements-là. Les gens veulent voir de nouvelles personnes. Les gens veulent voir de nouvelles idées. Les gens vont évaluer cela sur base de qu'est-ce que le gouvernement a produit comme résultat. Et bien, comme vous le dites, moi je n'ai pas suivi le président Moïse Katumbi, mais je pense que c'est un conseil sage. Parce qu'à la fin, si en 2018, le président a été élu sur base d'une promesse d'un changement, en 2023, ça ne sera plus des discours. Ça sera le bilan. Ça va être le bilan. Et la crainte que moi, j'ai même publié dernièrement, la semaine passée, j'avais publié une réflexion sur mon compte Twitter en disant, si en 2018, on a élu le président sur base d'un discours, en 2023, ça sera sur base du bilan. Et au jour d'aujourd'hui, on a l'impression que tout tourne autour des 100 jours. Avec tout ce qu'il y a comme déboire, comme des problèmes au niveau de la justice et tout ça. Et ça, c'est très dangereux parce qu'il faudrait que les lieutenants du président, donc ses proches collaborateurs, puissent rapidement tourner les débats et pas s'attarder encore sur les 100 jours. Parce que les 100 jours, ce n'était qu'un programme provisoire en attendant la formation du gouvernement.
Maintenant que le gouvernement est en place, maintenant le gouvernement a pris les choses, maintenant que c'est le président qui préside les conseils des ministres, il faudrait déterminer une politique claire qu'à la fin du mandat, à la fin de son quinquennat, qu'on puisse présenter ces bilans-là au peuple congolais pour dire voici qu'est-ce que nous avons fait pendant les 5 années, donnez-nous encore 5 autres années pour achever ce qui n'a pas été achevé, pour amorcer d'autres projets, ainsi de suite. Mais si on ne fait pas cela, on risque d'être distrait et puis à la fin du quinquennat, on va se retrouver toujours en train de parler de 100 jours. Alors que nous sommes déjà à plus de 1000 jours. Et qu'est-ce qui a été... Oui, justement, nous sommes à près de 1000 jours. On est en train d'entamer la deuxième année. Donc, il faudrait qu'on parle qu'est-ce qu'on a fait après 100 jours. Et ça, il faudrait que les gens qui travaillent autour du chef, les gens qui sont dans les services de communication, je suis vraiment désolé, je venais de suivre ce matin que un de ses conseillers, directeur de cabinet, a bien chargé de la communication et de ses DP à son âme. Mais c'est pour dire que les services de communication devraient travailler fort pour qu'on puisse parler d'autre chose que des 100 jours. Parce que sinon, le bilan des 100 jours n'est pas très, très réduisant. Et on devrait vraiment tourner cette page-là, continuer avec d'autres projets. Et pour ça, il faudrait que les collaborateurs du chef travaillent sérieusement pour présenter une autre offre aux populations, une autre offre qui fait rêver. Parce que la politique, c'est aussi ça. Il faut faire rêver la population pour les mobiliser. Il faut faire rêver la population pour avoir les soutiens. Parce qu'ils pensent que si on vous accorde encore un second mandat, vous allez encore faire davantage. Mais pour le moment, on a l'impression qu'on est en train de tournoyer autour de 100 jours. Malheureusement, alors il faut aussi ajouter, M. Isidore, puisque nous sommes un peu dans la politique interne, au lieu de la politique étrangère, comme nous avons dit, le président a été élu. Ça, il faut qu'il le sache et que tout le monde autour de lui sache que le peuple en avait assez avec le système sortant, puisque le social était vraiment catastrophique. Donc, les gens voudraient qu'il leur réponde du point de vue social. Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus, puisque le dollar, par exemple, aujourd'hui, on parle des rigolades, mais non, donc, ça tourne vers le 2000 pour un dollar. Est-ce que vous voyez que la situation vraiment est en faveur du président avec le mariage avec son peuple? Oui, mais là, il faut aussi, il y a d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte. Par exemple, vous savez, l'économie congolaise, c'est une économie extravertue. Et maintenant, avec ce qui se passe au niveau international, tous les États se sont renfermés sur eux-mêmes. Et donc, c'est un problème qui n'est pas seulement national, qui ne touche pas seulement la République démocratique du Congo, mais qui touche le monde entier. Et nous, comme notre économie, c'est une économie extravertue, et que maintenant les États ont fermé les frontières, il est tout à fait normal. Et surtout, le plus dangereux aussi, c'est que notre économie a été dollarisée. Et donc, c'est un problème sérieux lorsque nous n'arrivons pas à produire et à écouler nos ressources minières, et on n'aura pas suffisamment de devises. Et comme notre économie est dollarisée, c'est tout à fait normal. Ce n'est vraiment pas un problème qui est interne à la République démocratique du Congo. Mais cela ne dispense pas les autorités de prendre des mesures nécessaires pour endiguer cette situation. Parce que les pauvres mamans qui sont dans des villages là, vous n'allez pas leur apprendre toutes ces théories internationales pour qu'ils comprennent la situation qu'ils sont en train de vivre chez eux. Et ce qu'ils attendent, c'est qu'il faudrait que leur gouvernement apporte des solutions. Donc, le gouvernement devrait quand même travailler fort, trouver des pistes de solutions pour essayer de soulager tant soit peu la misère de sa population. Donc, c'est vraiment un problème qui n'est pas particulier à la République, qui n'est pas particulier à l'appui démocratique du Congo, mais c'est un problème qui est général. Et donc, il y a beaucoup de pays, même le pays du Nord ici, et ils ont des problèmes, l'économie ne tourne pas normalement. Ça ne doit pas être une excuse, puisque... Je l'ai dit que ça ne devait pas être une excuse pour que le gouvernement puisse croiser les bras et ne rien faire. Alors, là, nous revenons maintenant dans notre colonne vertébrale, c'est-à-dire la politique étrangère. Parlons un peu de l'implication des nominations, comme l'avons dit là, l'absence de personnalités congolaises dans les institutions internationales comme l'Union africaine.
comme la francophonie que vous maîtrisez bien, on va un peu développer là-dessus, dans le CEEA, CEEAC, BAD, nous avons déjà quelqu'un là-bas. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que, parce que nous allons prendre un exemple de la francophonie, M. Isidore. Le Rwanda s'est désisté de donner cours en français. Le français n'est plus la langue nationale au Rwanda. Mais le Rwanda a fait tout pour mettre à la tête de la francophonie une citoyenne rwandaise. Qu'est-ce que vous dites? Et je sais que vous êtes battu là, vous ne voulez pas ça, vous avez vu sur des médias internationaux pour condamner ça avec la dernière régime. Et félicitations pour ça. Oui, mais je ne veux plus parler de ces questions-là en termes d'individus. J'en ai déjà parlé longuement, j'en ai d'ailleurs écrit longuement. Mais ce que je peux juste observer, c'est que le Congo, c'est le plus grand pays francophone. Et donc, ça dit que c'est le premier pays francophone au monde. Donc, sur le plan de la démographie. Et donc, il est inconcevable qu'un plus grand pays francophone ne soit pas représenté au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Ça, c'est quelque chose vraiment, je trouve ça inconcevable. Le Congo, en plus du fait que c'est un pays, et c'est un plus grand pays francophone, le Congo a organisé le sommet de la francophonie en 2012. Vous savez, lorsqu'un État organise le sommet de la francophonie, il débourse des millions de dollars pour cela, parce qu'il faut accueillir une cinquantaine de chefs d'État, et puis avec toutes les délégations qui viennent, et puis les mesures de sécurité et consorts. C'est beaucoup d'argent que le pays dépense pour cela. Et il le fait pour et au nom de la francophonie. Et maintenant, je ne sais pas si vous avez suivi dernièrement, en 2021, on allait organiser les Jeux de la francophonie qui ont été reportés en 2022. Mais vous savez, normalement, ces Jeux étaient initialement prévus ici au Canada. Et le Canada a renoncé parce que ça devait lui coûter à peu près 63 millions de dollars. Un pays qui a déjà toutes les infrastructures nécessaires, mais pour l'organisation, ça lui coûtait 63 milliards, versus le Congo qui n'a même pas des infrastructures. Donc, ce sont les jets qui devront coûter beaucoup de millions de dollars, si pas, donc le minimum, ça serait autour des 60-70 millions de dollars que le pays devra débourser pour l'organisation de ces jets-là. Un pays qui dépense comme ça pour cette organisation, je vous informe que l'Organisation internationale de la francophonie, en plus de toutes les directions qu'il y a au niveau du siège à Paris, il y a des représentations permanentes aux Nations Unies à New York, aux Nations Unies à Genève, à l'Union européenne à Bruxelles, à l'Union africaine à Addis Abeba. Il y a aussi des bureaux régionaux, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, que ce soit en Amérique ou dans les Amériques, que ce soit en Europe de l'Est. Donc, il y a partout des directions régionales, mais partout, quand j'ai fait les tours, parce que c'est une organisation que je connais quand même bien, j'ai publié une cinquantaine d'articles là-dessus, je vous assure qu'il n'y a pas un seul Congolais qui a un poste de directeur. C'est inconcevable. Alors que les pays à dépenser et continuer à dépenser parce que nous allons, le président a fait, lorsqu'il a échangé les faits avec le corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo, il a martelé en disant nous allons organiser ces jeux à Kinshasa. Donc, nous allons dépenser de l'argent pour organiser ces jeux à Kinshasa. Mais là où les décisions se prennent à l'OIF, là où il y a des représentants permanents aux Nations Unies, à l'Union européenne, à l'Union africaine, où les grandes décisions de la politique étrangère se prennent, mais le pays pouvait aussi peser de tout son poids pour placer ses compatriotes au sein de ces organisations-là. Si je prends le cas de la CEEAC, parce que vous en avez parlé, c'est la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Vous savez que le premier secrétaire général, lorsqu'on a créé cette organisation, c'est l'ancien premier ministre Lunda Bubu. Et quand vous regardez l'Afrique centrale, tous les pays d'Afrique centrale réunis, ils ne font même pas la moitié de la République démocratique du Congo. Donc quand on parle de l'Afrique centrale, le poumon, c'est le Congo. Et quand on parle de l'Afrique centrale,
à travers le monde, au niveau des relations internationales, on voit la forêt du bassin du Congo, qui est le poumon du monde. Et cette forêt, la grande majorité, plus de 60% de cette forêt, se trouve en République démocratique du Congo. Et donc, cette organisation-là, et d'ailleurs la plupart, je vous informe, moi j'ai travaillé quand même sur ce dossier sérieusement, la plupart des financements qui vont au sein de cette communauté économique d'Afrique centrale, ça va surtout dans le secteur de l'environnement, dans le secteur du changement climatique, dans le secteur de la forêt. On essaie d'apporter des financements dans le secteur de la forêt. Mais ces financements, pour la plupart des cas, vont au Cameroun, au Gabon, au Congo en face, alors que c'est le Congo Kinshasa qui a une grande partie de cette forêt qui devait d'ailleurs avoir beaucoup de l'influence au sein de cette organisation. Moi qui vous parle, il y a de cela 4 ou 5 ans, j'étais candidat secrétaire général adjoint de cette communauté-là, de la CIAC. Mais ça n'a pas marché parce que je n'ai pas eu de soutien de la République démocratique du Congo. Donc ça, c'est une page tournée. Mais je vais juste dire qu'il faudrait que les Congolais se battent pour placer les compatriotes au sein des organisations internationales. Il y a des pays de l'Ouest. Aujourd'hui, si vous allez à Kinshasa, la plupart des organismes internationaux sont dirigés par les Ouest-Africains. Parce qu'ils ont compris, ils ont mis en place toute une politique pour placer leurs compatriotes au sein des organisations internationales. Et je vous informe que le Congo a beaucoup d'intellectuels, des gens expérimentés, des gens qui travaillent dans des grandes organisations, des gens qui travaillent dans des administrations des pays qui sont très bien organisés, qui peuvent apporter cette expertise au pays, qui peuvent servir donc leur pays pour être suffisamment et valablement représenté. Je vous ai donné le cas de professeur Matumbulu qui représente valablement l'Afrique centrale, parce que ce n'est pas seulement le Congo, mais c'est l'Afrique centrale. Mais les pays devaient continuer à placer ses compatriotes. Pendant les 20 dernières années, on avait l'impression que les régimes ne voulaient même pas entendre parler de cela. Ce qui fait que le Congo a été complètement... Je ne vous interromps pas. Hein. Donc, je pense que c'est une histoire qu'il faudrait vraiment prendre à bras de corps. Puisque personnellement, j'avais assisté à la campagne de la RDC avec le gouvernement qui est sorti, à la campagne aux Nations Unies. Ils étaient là pour supporter un de nos compatriotes qui devrait être parmi les juges à la Haye. Et ça va marcher, ça va très marcher, puisque le monsieur est juge là-bas. Donc c'est une histoire qu'il faudrait peut-être... encore réactivé, tel que les gouvernements qui sont en place identifient la matière grise que nous avons, donc les sommités congolaises, pour les appuyer, pour qu'ils soient aussi représentés pour l'honneur de la République démocratique du Congo dans toutes ces institutions là-bas. Alors maintenant, justement, ça. Oui, donc c'est vraiment très capital. Qu'est-ce que vous proposez aux gens qui sont en place, pas seulement au président de la République, pour que les histoires se fassent autrement? Mais ce que je peux proposer, je sais que dans les années antérieures, il y avait un ministère, en tout cas un sous-ministre qui était nommé, qui était chargé des Congolais de l'étranger, par exemple. Je ne sais pas s'il y en a encore cette fois-ci, mais si ça n'existe plus, peut-être que le président devait avoir un conseiller qui s'occupe essentiellement de recenser les expertises au niveau international, de recenser les expertises, donc les Congolais d'origine qui évoluent au sein des organisations au niveau international, de voir dans quelle mesure il peut les promouvoir, dans quelle mesure il peut placer les gens, parce que sur toutes ces organisations-là, nous sommes membres, nous contribuons, et nous devons aussi avoir une politique qui appuie les nationaux pour qu'ils puissent assumer des responsabilités dans ce pays. Je vous informe, si par exemple, vous représentez la République démocratique du Congo dans une organisation quelconque, ou même si vous êtes un directeur d'une organisation internationale dans un coin donné, si un dossier de la République démocratique du Congo arrive sur la table, même des gens qui sont autour de toi vont se gêner de parler du mal de votre pays parce que juste votre présence dans cette réunion-là va peut-être gêner certaines personnes de parler du mal de votre pays. Déjà, sur ce point-là, on sait que quand vous travaillez pour l'organisation internationale, vous ne dépendez pas de votre pays, mais il reste quand même que vous êtes quand même ressortissant de tel ou tel pays. Donc, il est vraiment important que
il y ait une politique, c'est toute une politique. Ce n'est pas quelque chose comme ça du hasard. L'État doit mettre en place une politique pour placer ses compatriotes auprès des organisations internationales. La plupart, la FIT, quand on compte les États, donc ça dit que si on voit les ressources, on voit la population, on ne va pas compter 10 États sans que le Congo ne soit inclus. Que ce soit au niveau des ressources minières, que ce soit au niveau de la population, que ce soit au niveau des ressources forestières, que ce soit au niveau des ressources énergétiques. Nous sommes toujours parmi les 10 premiers. Mais dans les représentations des administrations, que ce soit au niveau sous-régional, au niveau régional, au niveau international, on ne sent pas, on ne voit pas les Congolais. Merci bien, chers téléspectateurs de la Voix de la démocratie congolaise, vous qui nous suivez de partout pour nous suivre dans notre émission. Tribune, voilà, c'est la fin de cette émission, chers téléspectateurs de la Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, qui est mis depuis New York City, avec votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe. Nous avons terminé cette émission que nous appelons Tribune de la diaspora. Dans Tribune de la diaspora, nous appelons tous les Congolais de la diaspora qui puissent s'exprimer sur le développement de notre pays. C'est pourquoi nous avons créé ce cadre purement, cadre de discussion des Congolais pour dire quelque chose sur l'avenir de leur pays. Merci donc de nous suivre chaque jour et tout le temps sur la Voix de la démocratie congolaise par Panorama d'Afrique, sur notre site www.lavdc.net et sur www.mediaforafrica.net. Donc là, vous allez nous trouver avec toutes les images qui nous viennent de Kinshasa. Nous vous remercions donc. Restez toujours branchés sur votre radio-télévision, la première de toutes les télévisions en République démocratique du Congo sur Internet. Merci et à la prochaine. Don Kayembe.